Donc ceci est un petit récapitulatif des différents amuse-bouches donc, que vous allez découvrir. Donc monsieur aussi vous filmez donc, le sarrasou, qui est un fromage blanc battu aux herbes, accompagné donc d'huile de colza grillée. Juste ici, donc un bonbon de betterave, servi autour de l'endive et de la noix. Donc à déguster, je dirais une seule fois, dans le sens où c'est très liquide à l'intérieur. Donc pour éviter tout accident, vraiment le manger en une fois. Une marinade de maquereau autour de la tomate, tartare de bœuf ou guacamole, et enfin huître engelée chez de pommes vertes. Également un petit opéra de foie gras. Bon appétit. Vous avez une mise en bouche autour du champignon. Vous allez découvrir champignons préparés à la grecque avec Paris et Girolle. Ensuite, au centre, soupe de champignons avec émulsion au fenouil. Et pour terminer, avec un gros mesquite de champignons. Et bien, bonne dégustation. On fait attention qu'il passe bien les engins. Oui, parce que là, c'est vrai. Surtout le ventre. Oui, avec ça les, avec quelques congères qui étaient ce matin. Ouais. Bon. Ça se calme un moment, mais si ça repart, ouais, ça va. Mais c'est vrai que le garage, c'est sympa ça d'avoir. Donc nous proposons ici donc, les premières asperges vertes, servies avec un sabayon au beurre de cèpe, croustillant un oignon, un anchois ou une carotte. D'accord. Voilà. Donc nous proposons ici le poupeton de homard. Donc servi donc justement dans son bouillon d'herbe et crustacés, quelques coques Saint-Jacques, pois chiches. Donc pour accompagner donc différentes herbes, qui sont donc la verveine, juste ici, une petite feuille, ouais. Le basilic, avec des ours, et enfin donc la pimprenelle, bien un petit goût anisé. Donc voici le filet d'angle chevalier, donc un salmonidé tiré de lac profond, cousin à la truite. Hein. Donc servi sur l'hygrophore de Mars et la girole, quelques topinambours. Et on vous a proposé une émulsion à l'amande. Bon appétit. De morille et de riz de veau, servi dans un jus porto blanc et truffe. Thé aux champignons. Praliné de cèpe, la côtelette est rôtie, parsemée d'un praliné au cèpe. Vous avez également tout ceci, une caillette qui est préparée, une brochette riz et foie d'agneau, quelques petits légumes. Monsieur Vergeoise et du son miel. D'accord. Et donc pour monsieur, le plateau de fromage est composé de foin de Saint-Jean, de Saint-Nectaire et de fromage frais, de chèvre pour préciser. Bonne dégustation. Fin de dessert avec une préparation ananas et noix de coco. Quelques mignardises à découvrir. En forme de champignons, une nougatine aux agrumes. Bon, comme valeur digestive, bien sûr. Bah, une petite coco, ce serait bien. Merci. Gauche, vous avez un bonbon de tomate à la fraise, à bien déguster en une seule fois, à l'intérieur c'est liquide et rouge. Ensuite, vous avez une sauce sarrasso aux légumes croquants, un tartare de bœuf à la sauce guacamole et une truite farillo marinée. Dépitez votre plat, un petit gazpacho de melon. Accompagné d'une émulsion à la menthe, sablé au sésame et huile de melon. Assiette autour du lapin, donc en bas sur votre droite, vous avez le rab et sa rochette de béatine. Ensuite, quelques girolles et son mesclun de salade.
une terrine de foie gras aux légumes croquants et la rillette. Donc la brochette façon margarido accompagnée de riz de veau. D'une sauce porto et truffe. De bœuf poêlé, le paleron braisé et sa gelée de vin de morue, quelques légumes croquants et girofle. Un ragoût de lentilles. Donc à chaque tranche de homard, vous avez un cervelas de cèpe accompagné donc d'un jus de vin. Bonne dégustation. Ici vous avez de la tourme de vache aux artisans de Dunière, de la tourme de brebis de Tence, du Saint-Nectaire, du Salers, du chèvre persillé du Beaujolais, de la fonte de Valcivière affinée à 6 mois. Derrière, vous avez du brebis frais, du brebis roulé, roulé aux champignons, et ici du chèvre sec et demi-sec, de Dunière également. Pour de la rhubarbe, donc en dessous vous avez la marmelade, le clafoutis, les bâtonnets infusés à la grenadine, et un sorbet litchi, framboise et fleur de roi. Donc à la base, vous trouverez une gelée basilic, un biscuit d'aquas, un sorbet à la fraise, un dé au chocolat au lait avec ses fraises pour une blanche accompagnée de sa marmelade et d'une eau à boire à la pêche blanche et à la citronnelle. Bonne dégustation. Soupe de pêche sanguine et abricot.